massivement le direct, mes amours. Partagez une petite mise au point là, parce que je n'étais pas encore revenu dans mes vrais sens. L'alcool bouillonnait encore mon cerveau. Là, je pense que je commence à reprendre La remise à niveau. Ouais. Je commence à reprendre la remise à niveau là. Donc, partagez le direct. Envoyez ça partout. Même à Cameroun Tribune, vous envoyez le direct. Partagez jusqu'à la CIA TV. Vous envoyez Equinox, vous envoyez la CIA TV, vous envoyez Cameroun Tribune. Le chapeau de la gloire. Le chapeau de la gloire curieuse. Tu peux me le tirer là-bas, tu me le tires. Je le porte. J'ai ton siège comme ça, tu me le tires là-bas. Bonjour chérie. Bonjour. Partagez le direct massivement. Envoyez ça partout. Même chez Bouillon Chaud. Vous voyez, j'adore vous donner du travail. Vous allez work, maman. La semaine, si j'ai décidé que vous allez travailler, vous allez work. Mieux sans salaire. Vous allez recharger les méga. Mate chauffard. Soit la sorcière Bipela. Elle dit que je suis sa épouse. Ma chérie. Ma chérie. En aucun jour je ne serai ta épouse. En aucun jour, je ne dis même pas dans tes rêves. En aucun jour je ne serai ta épouse. Détrompe-toi. Partagez-moi le direct. Elle m'appelle sa rivale. En aucun jour je ne serai ta rivale, ma chérie. J'étais la rivale d'une seule fille en Europe, ici. Et je ne serai plus la rivale de personne. Parce que je ne vous donne plus l'occasion. Je ne serai jamais ta rivale, ma chérie. Jamais. Ma rivale. Qui est ta rivale? En passant, chauffard, je ne roule pas dans les voitures de plus de 5 ans d'âge. Tu as compris? Parce que quand tu me dis que je suis ta rivale, je ne vois pas à quel niveau je pourrais être ta rivale. Moi, quand une voiture a déjà plus de 3 ans, comme celle dans laquelle je roule là, je change. Ça va? Je ne roule pas dans les voitures de plus de 3 ans. Toi, il a fallu que tu ramasses toute la pourriture de Admas et Genève pour amener au Cameroun pour rouler dedans. Et tu m'appelles ta rivale. Moi. Ta rivale à quel niveau, maman? Avec son sombre. Ta rivale à quel niveau? Le temps chocolat que j'ai, c'est pas le même temps que tu as. Tu ne l'auras jamais. En fait, je ne sais pas. J'ai envie que vous venez un peu ici dans le direct si on parle. Quand vous vous mettez sur Facebook, vous m'insultez. Est-ce que vous... J'aimerais que vous pesiez un peu vos mots. Parce qu'on n'est pas pareil et on ne sera jamais pareil. Vous comprenez ça? On ne sera jamais pareil. Vous m'insultez où? L'enfant j'ai eu. La belle vie j'ai. L'argent j'ai à mon petit niveau. Dans ma tête, je suis milliardaire. Dans ma tête, je dis bien dans ma tête, je ferme mes mots. Dans ma tête, je suis milliardaire. Donc, je dis dans ma même tête ici. Que tu as les moyens de ta politique. Oui,
J'ai les moyens de ma politique, mais je te jure que ma fille, dans ma tête, pour moi, je suis milliardaire. Exactement. Tu comprends? Quand tu mets ça dans ta tête, quand tu mets dans ta tête, quand tu te valorises d'abord toi-même, les autres vont suivre. Tu vas les mettre au pas. Et sur les réseaux sociaux, j'ai décidé que c'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Et vous allez marcher. Vous allez marcher. Parce que quand je lance mon direct, je ne vous demande pas, vous n'êtes pas obligé de venir rester là. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Vous n'avez pas, c'est-à-dire vous ne voyez pas que vous travaillez sans salaire. Vous travaillez un job. Parce que moi je lance mon direct. Et ceux qui arrêtent de travailler, et ceux qui se gardent sur les aires d'autoroute, et ceux que les mamies de nourriture brûlent à la maison, parce que DiCaprio en direct. En fait, vous ne me détestez pas, vous m'aimez. Parce que moi, je ne peux pas suivre une personne que je déteste. Quand la personne lance le direct, je dis, ah, tac, je coupe. Il y a certaines blogueuses là avec qui je ne m'entends pas. Que quand elle lance le direct, si ça me notifie parce que je suis abonné à sa page, je dis, ah, tac, je coupe ça. Je coupe. Mais vous êtes là, dès que je lance le direct, bam, il va encore dire quoi? Il va encore faire quoi? Vous êtes là, vous êtes en train de work sans salaire. J'ai décidé de répondre à Mato Chopin ce matin. J'ai décidé de te répondre ce matin parce que hier tu m'as encore appelé, hier tu m'as en inbox, tu voulais qu'on s'explique. Je t'ai juste dit que je n'ai rien d'autre à te dire que te demander d'enlever mes photos sur ton mur. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est pas toi, Chopin. Toi que j'ai fait ta pub sur internet pour ton commerce, je ne vais pas saboter ton commerce parce que c'est ton gagne-pain. Mais moi, je t'ai vu deux fois dans ma vie. J'étais apprécié. Les circonstances dans lesquelles on s'est vu m'ont obligé à t'apprécier. Malgré le fait que tu te pavanes partout sur Facebook, tu t'occupes de tout sur Facebook. Il n'y a aucun sujet sur Facebook qui passe sans que tu ne te mêles. Autant Facebook maintenant, ou quand mes sauces, ou comment ma mère le temps de Facebook, ou je me suis abonné de Facebook, ou comment. Mais je me suis dit que je suis un homme, je suis un comme on a bien oublié de couépouse, tu ne couépouse ça. Il y a bien oublié de tabac de couépouse. Ça va commencer par où? Bible Kavala Nyeda. On ne fréquente pas les mêmes lieux. On n'a pas les mêmes amis. On n'a pas la même vision. On n'a pas la même façon de voir les choses. On n'a pas la même classe, le même chic. Ou la même façon de vivre. Bien oublié, ça dit, ça va commencer par où? Ah, ça bien oublié, bien borofoufoulou. Ou y'a m'a pas coupé en même Cameroun. Hein? Comme tu as envoyé mes vidéos dans le groupe de la communauté de mon église à Messa, va à Messa demander, va à Messa demander. Que le style Messa, 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 Wawok. Que le style, et à quel âge? Wawok. Parce que dans la vie, quand tu choisis une vie ou quand tu décides d'assumer ta vie, tu devrais mettre la barre haute. Parce que si tu ne mets pas la barre haute, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te mettre en haut. C'est toi-même qui devrais d'abord bien. Et l'autre, je vais prononcer son nom parce que je l'ai appelé, parce qu'elle est proche de toi. Ma seule et unique tante qui habite de ton côté là-bas en Suisse, parce que je dis bien en Suisse, j'en ai deux. J'ai deux tantes en Suisse. Donc, comme je disais, envoyez les cœurs, papa. Envoyez les cœurs. On est en train de signaler le direct. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Parce qu'on est en train de signaler le direct. Envoyez les cœurs. Je t'ai croisé une seule fois. Je t'ai vu une fois en justice, à Morges. Et je t'ai vu aussi une fois à Bâle, chez ma tante. La grande cousine à ma mère. Donc, je ne vais pas prononcer le nom ici. Parce que c'est une femme pour qui j'ai du respect. Et je protège ma famille. Je protège ma famille. Surtout ma famille proche, pas la famille de Facebook. Et quand je t'ai vu, je me suis retrouvé devant le parking du tribunal à Morges. J'avais les problèmes avec mon autre tante qui me sabote partout, qui m'insulte partout aussi en Suisse là. C'est la première fois que je t'ai vu. Je t'ai dit bonjour. Le fait que je t'ai dit bonjour, on m'a laissé à la gare de Morges. J'ai dû prendre le train. Avec les trains qui coûtent cher en Suisse là, quand tu n'es pas résident, j'ai dû prendre le train pour continuer ma route. Après, j'ai commencé à faire ta pub sur mon WhatsApp et mon Facebook. Je prenais tes photos, les photos de tes marchandises, de tes sacs à main. Je publiais sur Facebook en mettant ton numéro WhatsApp. Je t'ai soutenu.
Tu as fait semblant de me soutenir aussi parce que tu avais tes intérêts derrière moi. Tous les sacs à main que j'ai, je n'ai jamais acheté un sac à main chez toi. Jamais. Parce que mes sacs à main, ce n'est pas moi qui les achète. On me les offre. Et tous mes sacs à main sont des originaux. Tous mes sacs à main sont des originaux. Si j'ai acheté un sac à main chez toi, ou ne serait-ce qu'une ceinture, viens le dire ici. Je suis étonné que dimanche, samedi soir, tu prends... Je t'ai appelé inbox. Je t'ai demandé une seule chose. C'était d'enlever la photo où je figure sur ton mur parce que je peux permettre au faux profil de mettre mes photos. Je ne les connais pas. Mais une personne que je connais, que j'ai côtoyée et que j'ai fait sa pub parce qu'elle est en commerce, ne devrait pas prendre mon image pour vilipender la façon dont tu as vilipendé les gays. Tu m'as dit que tu as compris, mais tu ne l'as pas retiré. Le lendemain, tu m'as clashé. Hier matin, tu m'as clashé. Je suis venu à ton inbox. Je suis venu dans ton direct. J'ai commenté. Tout le monde a lu. Les commentaires là, sont encore là-bas. Et tu n'arrêtes pas. Tu continues à me clasher. Maman, quand tu m'appelles, quand tu dis que je suis ta rivale, je ne vois pas en quoi je peux être ta rivale. Je ne vois pas en quoi je peux être ta rivale. Il y a bien ou bien Kwanondondo. Il y a bien ou bien Bouébamba. Il y a bien ou bien nos copines. Je vais être ta rivale par rapport à quoi? La seule chose qui nous a liés, c'est les deux gens pour les qui j'ai du respect et avec qui je t'ai vu, qui ont permis à ce que je te vois. Et toi et moi, tu m'as donné ton WhatsApp et sur Facebook, on s'est ajouté. J'ai commencé à prendre tes photos pour publier. Beaucoup de gens pensent que tous les sacs que je porte, je les achète chez toi. Mais je n'ai jamais acheté un sac chez toi. Je n'ai jamais acheté un sac chez toi, mais je t'ai soutenu. Parce que j'ai la notoriété sur Facebook, je t'ai soutenu à ma manière. Je ne te demande pas de me soutenir, tu n'es même pas obligé parce que je n'ai pas besoin du soutien. J'ai un moral d'acier, la tête que vous voyez, le cerveau que vous voyez là. Quand vous ne m'insultez pas, je ne dors pas. Quand vous ne m'insultez pas, je ne dors pas. Je dis que quand vous ne m'insultez pas, je ne dors pas. Moi, quand je t'ai parlé, mon commentaire, je t'ai dit que tous les hommes que tu as sortis ces 5 dernières années, c'est une bande de bisexuels et j'assume, je pèse mes mots. Je ne suis pas au tribunal pour me justifier s'ils veulent qu'ils aillent porter plainte. Et la chance que tu as, parce que j'ai capturé tous tes postes au chopin, la chance que tu as, c'est que tu ne résides plus en Europe officiellement. Mais je te rappelle que le jour où tu remets tes pieds en Europe et que tu as l'adresse quelque part, Mate Chopin, je vais te porter plainte. Je vais te mettre 5 avocats derrière et un huissier. Je vais te montrer que je suis assistant de cabinet d'avocat. Le jour que tu arrives en Europe et que j'apprends que tu as déjà de nouveau l'adresse en Europe, je pars, je vais te porter plainte pour homophobie. Et tu sais très bien comment ça va ici en Europe. Tu as vécu ici. Hein? Ce n'est pas les histoires que vous faites au Cameroun là que vous payez pour qu'on mette des gens en prison. Et je te dis que même au niveau du Cameroun, tu ne peux rien me faire, Mate Chopin. Tu ne peux rien me faire au niveau du Cameroun. Parce que je vais te rappeler, malgré tout ce que je suis, je reste un chrétien, un croyant. Je pense que parmi les 10 commandements de la Bible, ce n'est que celui-là, le verset biblique que vous aimez lire là, le commandement que vous connaissez le plus là, quand il s'agit des gays, ce n'est que ça. Va demander aux gens de ma communauté, ici en Belgique, demande aux gens de ma communauté, ils vont te dire quel genre de personne je suis, en dehors du fait que j'assume roha et officiellement ce que la Bible condamne. En dehors de ça, demande-leur que je suis quel genre de personne. Qui a écrit la Bible? Demande aux gens de ma communauté à Bruxelles, EPC, qui je suis réellement. En dehors de la seule chose, du seul commandement que la Bible condamne, ils vont te dire quel genre de chrétien et quel genre de membre actif au sein de l'Église je suis. Je ne vais pas commencer à me jeter les fleurs ici. Et je ne vais pas commencer à détailler non plus. Parce que c'est, après tout, c'est ma vie. C'est ma vie. Je n'ai de compte à rendre à personne. J'aurai de compte à rendre à une seule personne le jour que je mourrai, c'est Dieu. D'accord? Donc tout ce que tu fais là, si ça peut te donner des vues, parce que je sais pas, quand on prononce le nom de Leonardo DiCaprio, on a les vues. Maman, prends les vues. Mais je ne vais pas venir me mettre sur la toile que tu fais un direct, je fais un direct, tu fais un direct, je fais un direct, tu n'en vaux pas la peine.
Hier, quand tu m'as appelé inbox, dès que tu as entendu la voix de Nivakin qui a commencé à t'insulter, tu as raccroché l'appel. Parce que Nivakin, c'est ton médicament. C'est ton médicament. J'ai demandé qu'on te bip, que tu viennes dans ce direct. Donc, moi, j'en ai terminé avec toi. C'est comme si ici. Non, laisse même. Laissons la musique même. Faut qu'on parle. Faut qu'on. Tu veux pas porter le large bord. Il y a un deuxième, hein. Non, je veux pas le large bord. Voilà. Le large bord pour qui? Pour une chose comme ça. Voilà. Marc Chopin, tu as osé mettre dans ton soit, je ne sais même pas qui t'a ouvert le Facebook. Le compte Facebook. A moi, on a mis je ne sais même pas ce qui te manque. On ne respire plus. On ne respire pas. Marc Chopin, en tant que Suissesse, que tu prônes partout que tu es Suissesse. Sans le permis B. Sans le simple permis B. On sait ce que les Suissesses ont fait au Cameroun. Les vrais succès sont là-bas. La dernière fois que tu es passé à la télé. MT de balle. Renseigne-toi qui est MT de balle. Tu vois ce qu'elle a fait à Odia Tropicana. Tu es passé la dernière fois à la télé. Pas le canal de Fort. Pas ta pouf en bas. Tu étais déjà d'abord mal vêtu. Ton accoucrement était un accoucrement de malade. Tes perruques, tu dis que tu vends les perruques. Ungaba ni saza quoi mon wobazo ni fabmenu ilang. Ton truc, ton enfant là. J'espère que tu connais son avenir déjà, parce que c'est un garçon que tu as eu par un vicro, bien sûr, parce que tu ne peux plus féconder. Par contre, moi, je vais te dire, je ne sais pas, mon fils a 8 ans, je l'ai eu par voie normale. C'est-à-dire, mon gars, bomba ne minga, me djanga ne minga, n'a gagné un aboum, à bien ma monde, wawok. Voilà. Comme si la joie est une jam, mon gars, bomba aussi à minga, ne minga djanga ne minga, bien ma monde. Ça que bien, bien que me fite, à 60 ans. Et je vais te rajouter un tout petit truc. N'importe quoi. Je vais te rajouter un tout petit truc. Ton enfant là sera homosexuel, pas de la haute classe. Maman, laisse. Non. Attend. Cameroun. Je te donne 15 ans. Je donne 15 ans à ton enfant. Parce que vous avez les enfants, vous vous permettez d'insulter les enfants des autres. Toi, Mato, ton enfant sera un pédé de la honte ici dehors. Un pédé des bars. Un pédé des bars. En Vombi. Même pas essence. Et l'Irbelibi, voir à ton emballage. Il va toujours continuer. Ton fils sera un pédé de la honte ici dehors. Tu vas continuer à chercher quelqu'un qui est français pour reconnaître ton enfant, pour remonter en Europe. On ne peut pas respirer avec toi. On t'a appelé dans le mariage. Tu dis que là. Dieu a bien fait de t'enlever en Europe. L'Europe que tu cherches à tout prix à revenir. Tu n'es pas parti parce que tu voulais. Tu cherches à tout prix à revenir en Europe, Chopin. Tu penses qu'on ne connaît pas vos vies? C'est parce qu'on ne veut pas parler de ça, ça ne nous intéresse pas. Moi particulièrement, je n'ai pas le temps de m'asseoir pour parler de vos vies. Tu cherches à tout prix à ce que ton enfant soit reconnu ici en Europe. Parce que ton enfant n'a pas de père. Tu as acheté le sperme qu'on t'a injecté. Elle a volé les voleuses de sperme dans les préservatifs. Ton enfant n'a pas de père. Tu cherches un Camerounais de nationalité française pour reconnaître ton enfant. Pour que ça te permette de revenir en Europe. Tu ne sais pas que tous ces détails-là, on a ça. Attends, je vais te rajouter à Marthe Chopin, Chip Lorena. Je vais te rajouter un petit truc. Parmi toutes les personnes dont tu as vu au mariage, à qui ressemble à l'homme qui te baisse? Aïe. Le nonchalant qui te baisse, à qui lui ressemble dedans? Tu as vu, tu t'y l'épérais, tu as vu comment les gens étaient classiques. Tu ne baiseras jamais avec un homme, pas comme tous les hommes que tu as vu dans le mariage. Là. Tu n'es qu'un misérable et sombre personnage. Tu es une femme aigrie qui a tout raté. Maman, dans sa vie. Elle a décidé d'aller s'asseoir au Cameroun et être tantine chanteuse. Déjà d'abord, avec tous les soins de visage qu'il y a au Cameroun, c'est 5 000. C'est les instituts de beauté, ici. Maman. Les instituts de beauté sont rap. C'est 5 000. Tu n'arrives pas. Tu as raté ici en Europe, là-bas tu rates aussi. Avec les petites filles qui sont belles au Cameroun, là. Marthe Chopin, ton enfant sera homosexuel. Il sera homosexuel. De la plus basse classe. Une pute de bas étage. Ton enfant sera une pute de bas étage, je te le dis. C'est encore à Tanabara qui va se limiter. Ton truc qui a la tête comme le capot de la voiture, la voix gnasse, tes bonnes potes qui ont déjà fait. Tu sais ce que. Attendez, je vais vous poser une question. Hein. Vous qui dites souvent qu'on fait la honte du Cameroun, vous connaissez combien de Western Union entre au Cameroun par jour que ce sont les PD qui envoient? Vous êtes malade. On a plus de bénéfices pour le Cameroun. Vous savez à quoi au Cameroun, même vous là, vous mettez la connexion de 100 francs. Depuis 5 ans, je paye la scolarité de 5 orphelins. Depuis 5 ans, Marthe Chopin. Tu as déjà fait quelle action sociale on a vu au Cameroun? Hein? Tu dis être camerounaise et fière de l'aide. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton pays? Maman n'est pas fière. Si tu qu'est-ce fière, que tu as déjà fait pour si ton pays? Fière, je paye la scolarité de 5 orphelins depuis 5 ans. J'ai une association, j'ai une ONG où je m'occupe des orphelins au Cameroun.
et des veuves. Où je m'occupe des orphelins et des veuves. Tu viens t'asseoir sur Facebook, tu parles de moi. Tu cherches les vues. Tu ne connais pas la Tunisie. Arrange-toi. On comprend. M'a demandé le contact à Flore. On comprend que je sais qu'une femme, que vous avez commencé, vous ne faites, mais tu n'as même pas fait la bordelerie classe. Les choses qu'on a baisées derrière les voitures. Tu te laves les fesses à quelle heure? Akamba, t'avais mis nu sur Facebook. Maman, la honte. Le corps d'une femme. Les hommes même qui couchent avec toi, je ne sais même pas. Akamba, t'avais mis nu sur Facebook. Le corps avait les dos d'âne. Akamba, t'avais mis nu sur Facebook. Le corps avait les dos d'âne. Votre wagna, s'il te plaît. Quand vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Et maintenant, vous là. On fait la honte du pays. Attends un peu, Aldo. Il y a certains PD que j'ai vu là. Parce que dans les commentaires, je connais mes sœurs PD avec les grands et la jalousie. Vous allez seulement commenter dans les faux profils comme ça. Que celui qui a 4 testicules vienne commenter avec son vrai profil. Maman, tu es la 4 testicules qui viennent commenter avec son vrai profil. Parce que c'est l'erreur que je suis pas là à faire. Chopin, c'est l'erreur que tu as fait. Tu pouvais me publier un faux profil. Chopin, elle est courageuse. Tu pouvais me publier un faux profil, mais tu es venu me chercher au haut. Comme tu m'attendais que tu es donne. Ngo bobo fianga mezu kamoru vena mazo obom. Mamano obom, ma daga vion. Mamano ozo bom avec Karine, elle s'appelle comment? Carola Bena. Ma ne daga vion, mamano ozo bom avec Carola Bena. C'est ma nouvelle copine. Bia yobo, à partir de jour. Ma ne daga vion, mezo obom. Ton enfant d'ici 16 ans, il sera la pute de bas étage. Comme vous aimez mon... Ton enfant sera la pute de bas étage. Je vais veiller à ce que ton enfant soit la pute de bas étage. Attends. Vous aimez souvent vous attaquer aux gens. Après, il y a l'autre qui était ancien. Tu as porté plainte à un vous. Tu vas me porter plainte. Ton enfant sera le pédé de la honte. Tu avais porté plainte à Mvutu. Où en est ta plainte? Oh, Yanga, tu m'as dit. Je voulais seulement te répondre là. Et le reste, je vais faire ça en sourdine. Tu vas te rappeler de moi, je pars. Tu vas te souvenir de moi dans ta vie. Tu vas te souvenir de moi dans ta pourquoi vie. Pourquoi vous laissez même la femme là, elle est tout en train d'insulter les Kwande? Pourquoi vous laissez la merde. Femme là? Mato Chopa, tu ne peux dépasser personne. Tu ne peux dépasser personne. Même au Cameroun, là où tu es là. Attention, Mato Chopa, tu es un enfant. Oubeli Bouboua, moi, à 60 ans, on a bien. À 60 ans. Tu as pitié de toi. Au lieu de t'asseoir pour t'occuper de ton enfant, tu viens t'asseoir pour. Tu pavanes sur Facebook à prompter la haine, à parler de tout et de rien. Tout ce qui ne te regarde pas. Nathalie Roy, là-bas, tu parles. Coco Emilia, là-bas, tu parles. Marlène Ngoto, là-bas, tu parles. Un psychologue, pour te dire qu'un psychologue dit que psychologue, on ne cesse jamais. On ne cesse jamais. Je vais voir tout le monde à Cameroun. Je vais voir tout le monde à Cameroun. Je te parle de MT de Suisse. Elle a un immeuble à Tropicana. 18 appartements. 18 appartements. Dans chaque appartement, il y a la salle de bain, il y a le dressing, il y a tout. Ah, MT de Suisse, 18 appartements. Ma mère, tu m'excuses de prononcer ton nom dans mon direct. Mais tu es une référence. Ah, oui, tu es une référence de Suisse, MT. C'est pour ça qu'elle prononce ton nom, ma mère. Tu m'excuses. À l'époque même que tu dis que tu as fait la Suisse, le macaré de Suisse, donné bien, ça t'a envoyé au répondeur. Minga nous tuananga biki nyingana mintangan. Tu sors d'où? Wasu souven? Wasu souven? Jamais vu ça. Tu as eu un sommet. Quand on te fait aussi la chatte. Minga veut maman tu es. Begraye nomben de nye nye. Begraye nom. Ce qui m'a choqué la dernière fois. Les gras du lit sont, je reste comme ça, je dis, mais c'est quoi ça? La peau, le thème est comme si c'est. Tu vois quand la vipère a fini de changer de peau là. Tu vois quand la vipère est passée quelque part et que les écailles, sont restées. C'est les écailles là, la peau de Chopard. Je dis, je l'ai vu deux fois de ma vie. Emina Gadjou, madame, mon fils, mais oh, il y a de Facebook, tu es toujours nyanga nyanga, viens, on fait les photos, c'est elle. Les photos que tu dis que tu as de moi là, c'est toi. C'est toi qui m'avais appelé pour faire les photos avec moi à l'anniversaire de ma tante. Ah ouais. Et vous êtes comme ça. Chaque fois que vous me voyez quelque part, elle dit Caprio, je veux la photo avec toi. Et tout, c'est comme ça que vous me lynchez chaque jour. Bien sûr, Madje. Bien sûr, Madje. Mais soi-disant tante de Facebook. Bien sûr, Madje. Des tatas de Facebook. Des tatas de Facebook. L'autre est là-bas, comme je l'avais interdit de prononcer mon nom. Parce que si elle prononce ça comme mon nom, je sors ses secrets. Elle est maintenant, quand elle veut me clasher, elle dit celui qui habite en Belgique là-bas. Vous n'avez pas encore marché, vous allez marcher.
particulièrement toi, Marthe Chopard, je peux te porter plainte sans mettre mes pieds au Cameroun. Tu as compris ce que je te dis? Mais c'est parce que tu es une petite personne. En fait, tu n'en vaux pas du tout la peine. Mais alors, pas du tout. Elle est vide. Tu n'en vaux pas du tout la peine. Elle est vide, elle est vide. Donc arrête de dire que je suis ta rivale. Tu ne peux pas être ma rivale. Elle est comme tu ne peux pas. Elle est comme le bidet qu'on a oublié de tirer. Tu ne peux pas. Tu as vu les 1m90 que j'ai donné un coup de pied aux fesses? Tu as vu les 1m90 que j'ai donné un coup de pied aux fesses? J'ai donné un coup de pied aux fesses à un homme 1m90. Tu l'as vu à l'anniversaire de ma tante. On a hâte. Aujourd'hui, tu viens me clasher. Je dénonce l'homosexualité et ma bien-être. Pourtant, tu as une petite salope entre les mains, une petite bourrine, une gangrène, une buveuse de sperme, une chienne. Ton fils sera un homosexuel. Je dis bien de la pire. Je vais veiller à ça. À moins que le Seigneur me rappelle que je meurs. Mais si je ne meurs pas d'ici 15 ans. La même façon que tu ouvres ta bouche pour insulter comme ça, c'est comme ça que ton enfant sera léché. J'ai dit que si je ne meurs pas d'ici 15 ans, je vais veiller à ce que ton fils est. Vous allez apprendre à respecter les gays comme les gays vous respectent, vous les hétéros, les soi-disant. Vous allez apprendre à respecter les gays comme les gays vous respectent, vous les hétéros. On vous doit même ça, quoi. C'est quoi ça? On part avec vos corps. On fait même quoi avec vos corps? Quand vous êtes... Le gars de Cui s'est marié là-bas. Tu sais ce qu'il a fait dans sa famille? Je te dis. Toute la famille de ce garçon est français. Toute la famille de ce garçon est français. Même ses parents qui vivent à Kololira ont le passeport français. Ils montent en Europe quand ils veulent. Tu sais ce qu'il a fait dans sa famille? On t'a dit qu'il vient d'arriver en Europe. On t'a dit qu'il cherche les papiers. On t'a dit que c'est le mariage des papiers. On t'a dit que c'est le mariage des papiers. Ça fait plus de 25 ans qu'il est en Europe. Toute sa famille jusqu'à sa dernière génération est français. Ses parents sont à Kololira, ils sont français. Toi, tu viens d'avoir l'enfant, il en a des grands. Hein? Il en a des grands. Et si tu veux même quelqu'un qui va reconnaître ton enfant, il peut te donner son neveu pour reconnaître ton même enfant. Même son fils, même, même il son peut te fils. Donner. L'un de ses fils peut reconnaître ton il enfant. C'est bien comme Achopa. Toi. Vous pensez souvent que vous pouvez parler aux gens parce que vous voyez les directs sur Facebook. Tu prends sur quelle base tu te refais sur quoi pour aller prendre sa photo? Tu dis que tu n'aimes pas les homosexualités. Dieu t'a enlevé ici en Europe. Je vois en fait ton esprit vit ici en Europe. C'est ton corps qui vit là-bas au Cameroun. Ah, ça? Ton esprit vit ici. Je remercie. Tout ce qui se passe ici, tu es dedans. Je remercie le Seigneur de m'avoir enlevé là-bas. On agresse les bails, c'est la vombi. On agresse les bâmes, c'est la momokolo. Pourquoi tu ne parles pas de ça? C'est au Cameroun là où tu vis, non? Il ne met quoi pas sur le bord de la camion, ma te chopa à qui il soit à Boumano, quoi pour m'intouba. Me fab, mon ouïe là en ongum, à qui il va et bi courant. Tu crois que tu peux parler à qui? Tu peux dire quoi à qui? Ma te chopa, fais très attention à toi. Une femme qui a les bobo à moi, le destin, on ne sait même pas encore. Je ne suis même pas, je ne prononce pas. À ton ange, Dieu t'a béni. Le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a fait grâce de te donner au moins un seul enfant. Au lieu de t'asseoir pour t'occuper de cet enfant-là, tu es partout, tu te mêles de tout. Tu es partout et tu te mêles de tout. Elle est versée comme les anges. Est-ce qu'une femme, c'est quoi ça? Tu baises avec ton mari à quelle heure? Tu laves l'enfant à regarde-moi quelle... bien, j'ai enlevé les lunettes. Chopard, moi, Leonardo DiCaprio. Je paye depuis 5 ans la scolarité de 5 orphelins. Exactement. Je m'occupe de 2 veuves depuis 5 ans. Tu as compris? Les gens qui ne sont même pas de ma famille. Je paye la scolarité de 5 orphelins depuis 5 ans. Et je m'occupe de leur maman. Tu as compris? J'ai une association à but non lucratif où je réunis, où je cherche, je demande les dons pour pouvoir m'occuper de ces deux familles-là. Où les papas sont un est mort d'accident et l'autre est mort d'une maladie cancéreuse. Dis-moi un peu, en dehors de ton commerce, Chopard, qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Cameroun? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Cameroun? Chopard, qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Cameroun? Moi, par mois au Cameroun, j'envoie minimum au Cameroun 500 euros tous les mois. Minimum. Je ne vais pas te détailler comment c'est dispersé parce que ça ne te regarde pas. Mais j'envoie minimum 500 euros au Cameroun tous les mois. Pour qu'on s'occupe des gens qui ne sont même pas parentés à moi. Parce que je suis resté orphelin très jeune. Je connais la souffrance d'un orphelin. Ça fait 21 ans que ma mère est veuve.
Et la vie a dégringolé de la belle vie à la souffrance. Je connais la souffrance des orphelins et d'une veuve. Et pour ça, j'ai décidé de donner un coup de main. Je parle, je suis fier de moi. Je suis fier de ce que je suis. Tu as compris? C'est pour ça que vos préjugés et tout ça, je n'en ai rien à foutre. Parce que je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. Et pour tout ce que je fais qui est mauvais, je suis sûr que pour au moins cette action que je mène, le Seigneur va me pardonner. Qui les a même dit que c'est mauvais? Non, 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 je leur accorde ça. Je leur accorde que c'est mauvais. Vous voyez les salles? Je vous accorde ça. Les gens qui s'asseyent au Cameroun n'arrivent pas à nier, croire pas. Vous dites qu'on est les diables. Je vous accorde ça. Vous dites qu'on est les diables, mais vous êtes les chrétiens, mais les païens prospèrent. Mais les actes que je pose, les personnes à qui je viens en aide, rien que pour ça, le Seigneur me pardonnera. Et il me prendra à sa droite. Quand toi, chauffard, tu vas arriver comme tu es trop sainte. Quand toi, chauffard, tu vas arriver au ciel comme tu es trop sainte. Tu me trouveras assis à la gloire de Dieu. Je te le promets. Tu me trouveras assis à la gloire de Dieu, chauffard. Je te le promets. Tu me trouveras, moi, Lionel, assis à la gloire de Dieu. Parce que dans les 10 commandements de la Bible, parlons de la Bible, parce que c'est ça votre chanson fétiche. Tu ne coucheras point, machin non, et tout. Mais par contre, ils oublient là où la Bible même... Je sais pas, tu as fait un enfant, tu es marié. La Bible est-ce que tu sais qu'une femme, une vraie chrétienne, ne devrait pas avoir de rapport sexuel avant le mariage? Mais je m'en allais. C'est toujours marqué dans la Bible. C'est toujours dans votre Bible là que c'est marqué, hein. La même Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne jugeras point. Pourquoi vous ne lisez pas, n'écrivez pas souvent ça dans parmi les 10 commandements, je suis sûr que même les pasteurs et les prêtres ne respectent pas même 3 commandements des 10 commandements de la Bible. Mais pour un seul commandement qu'on ne respecte pas parce que nous sommes nés comme ça, je parle de moi, je ne parle pas des autres. Vous venez en fumer Facebook. Vous venez vous asseoir sur Facebook pour insulter les gens. On les a. Comme tu es trop chrétienne, pourquoi tu n'es pas enseigne d'église? Hein? Pourquoi le Seigneur ne t'a pas encore appelé à être enseigne d'église? Ou diaconèse? Pour le voir dans 15 ans, je suis protestant, j'ai des valeurs, j'ai des ceci. Ou au Sambok? Maman, attaque. Tes valeurs étaient en vacances quand tu te prends. Je te parle selon la logique. Ma takowo. Muta tawoni. Amunya bile courage na tawo. Mais moi je te parle selon la logique. On a un bulgasu, un bulouk. Hein? Vous en fumez Facebook parce qu'on a l'homme monnaie bum. Je ne pense même, je ne suis même pas sûr que ton, je ne suis pas sûr que ton immeuble coûte 150 000 euros. Là-bas, tu es parti loin 150 000 euros. Ça n'atteint même pas. Je sais pas, je ne suis pas sûr que ton immeuble coûte 150 000 euros. 25 millions parce que ce ne sont pas les maçons professionnels. Tu as compris? Ce sont les gars du mais je vais te dire une chose, je ne sais pas. J'ai donné un coup de pied aux fesses à un homme qui, pour revenir dans ma vie, m'a acheté une maison. En Europe, tu entends? Il m'a acheté une maison en Europe à moitié payée cash. Pourtant, je lui ai donné un coup de pied aux fesses. Le King Royal que vous dites qui n'a jamais existé là. Il m'a acheté une maison en Europe. Si tu dis, mec, je te mets mon titre de propriété sur Facebook. Vous aimez entendre. Si tu doutes, je te mets mon titre de propriété sur Facebook. Je suis parti de Suisse, il était 6 heures. Il va arriver chez moi dans 40 minutes. Tu dis, mec, je te mets mon titre de propriété sur Facebook. Pas les trucs falsifiés que vous faites au Cameroun. Là. En Europe, on ne falsifie pas. En Europe, on ne falsifie pas. Tu tapes même sur Internet. Va dans le moniteur belge, Chopastor. Va dans le moniteur belge, tu tapes mon nom. Tu vas voir écrit là-bas que propriétaire en Belgique. Wow. Après avoir donné le coup de pied aux fesses à quelqu'un qui m'a trompé avec ma copine. Quelqu'un qui m'a trompé avec ma meilleure amie. Je lui ai donné un coup de pied aux fesses. Pour venir supplier de reprendre avec moi, il m'a acheté une maison. Wow, ma. Ça te pec. Dans le tableau Facebook, tu enfumes les gens à longueur de journée. Fou la si bien ou y'a m'a kobo. Fou la si bien ou y'a m'a kobo. Maman dit que si colle dans ma kobo, fou la si avalé d'ayen. Ma journée, que le messa, que l'un des ambes, j'aime me ça, ma paroisse d'origine, au commerce les amener. Ne que ça m'embe, on m'embe au Cameroun. Et n'y m'a gagné au Cameroun avant dans ma zone à mi-temps, tu ne vivras jamais cette vie-là. Même maintenant, tu ne la vivras jamais. Wawo. Qualité.
En vivant au Cameroun, j'ai vécu 5 ans de vie commune avec un diplomate suisse. J'ai vécu au Cameroun 5 ans de vie commune avec un diplomate suisse. Attention, ma la mitan, ouzo comme ça, y'a bien bibi la valbinada, ma rival, zanya no rival, zanya ne tabo rival, ma, ouzo ma comment fombo. Quand on se rabaisse à parler avec des torchons comme vous, des serpillères, vous pensez qu'on est tous pareils. Je peux arriver dans un beau milieu d'Africains à la con, manger ce que j'ai envie de manger, boire ce que j'ai envie de boire à ma soif, et partir sans même vous dire bonjour. Vous me servez à quoi? Vous me servez à quoi? Je ne vois pas un Africain qui peut changer ma vie. Je ne vois pas un Africain qui peut apporter un plus dans ma vie. Ou sur tab Facebook, ou quoi comme ça même. On m'a dit comme il a été lourd, lourd, ou il m'a rien, ou il tu sais combien de vies il a déjà sauvé? Tu sais combien de personnes ce monsieur a enlevé dans la boue? Vous verrez seulement vous asseoir à juger la vie privée, l'acte sexuel de quelqu'un qui se passe dans la chambre. Vous allez vous asseoir, vous juger ça. Vous connaissez sa vie? Mais il m'a dit que je suis un hein? Pour ce temps, je suis en longueur de journée, ma rival, je te repose la question. Zanyano rival. Comment si le bout de bas côtoyé ma, demande au peu de personnes qui arrivent encore à franchir ma résidence. Aussi le bazar à mener. Tu ne peux pas être ma rivale, ma chérie. Hein? Tu ne peux pas être ma rivale. Il faut que tu ailles chercher à prendre soin de ton corps, de ton visage. Mais peut-être bien au giant low. C'est-à-dire, je n'ai jamais... C'est-à-dire, les perruques sont devenues moins chères. Même les cheveux que tu portes sur ta tête. Arche ou pas? Regarde tout le mariage là, quel pédé avait les goussards de mamie sur la tête comme toi? J'ai un perruque, j'ai un lobe perruque, mais c'est là, il y a un gars qui nous font la même temps. Parce que moi, je suis convaincu que tu as vécu en Europe parce que j'étais croisé deux fois. Parce que j'étais croisé deux fois. Mais si je t'avais vu au Cameroun, et que tu m'aurais dit que tu as vécu en Europe, honnêtement, je n'allais jamais croire. Je n'allais jamais croire. Amoubi, c'est le roi d'un lobby à Flané, que Bisselbi Minga a une Suisse. Et Pigaba Sabani, une Suisse. Pigaba Sabani, une Suisse. Et il y a un roi, il y a un bon Minga, baby, c'est l'un l'autre. Et Pigaba Sabani, une Suisse. Et ce ne sont que vous, les tonneaux vides là. Vous, les tonneaux vides là, c'est vous qui faites des bruits là-bas en Suisse. Parce que même l'autre avec qui tu clashes là, que vous êtes au tribunal, je ne l'ai jamais vu même avec un sac à main de marque originale. C'est toujours les faux Louis Vuitton, les faux Hermès que vous portez partout. Mon sac Hermès le plus moins cher coûte 6 000 euros. 6 000 euros, 4 millions de francs CFA. Mon sac Hermès le plus moins cher, 6 000 euros. Mais toi-même, la simple perruque brésilienne ou indienne qu'une femme doit porter. J'imagine, c'est-à-dire, quand j'imagine un nyoum, c'est bien un nyoum. Ma fille, tu es tellement. Tu es douée d'une vulgarité qui ne dit pas son nom. Mais non, elle a cherché ça. Il faut aller au même sens que les gens. C'est une femme vulgaire, elle ne mérite pas. Ma fille, tu es tellement, c'est-à-dire. Non. Tu es douée d'une vulgarité qui ne dit pas son nom, chérie, pardon. Mais pète blanche, vous voyez, tu as un mini la mecana. On est amis à mon amitié. Aboté un tout. Un nambe, un namkas. Un nambe pète blanche. Un nambinga dit à l'ouboj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 
avant d'aller guetter l'anus de quelqu'un, je guette d'abord pour moi. Hein. Chopin, monsieur Bambéwa, on dit. Monsieur Bambéwa. Victor, il y a un canon. Oui, qui sait Bambéwa, oui, c'est Bambéndom le Dieu. Monsieur Bambéndom le Dieu, mais je serai la même maquerelle de ton enfant. Bolonga Yanya, je dis que je vais maquer ton enfant. Comme tu cherches la nationalité pour ton enfant, là, quand ton enfant va arriver ici en Europe, il sera je serai son maque. On va la maquer. Je serai le maque de ton enfant ici en Europe. Imbécile. Et toute la bande des anciens journalistes qui ont mis leur bouche dans le mariage, là, attendez vos photos vont sortir. On est tous les Wakasi dehors, non? Que celui qui est Kwandenge, il vient parler les choses, il pense qu'il est croque discret. Attendez, vous allez lire, l'heure va être lue. Compte à rebours. Maintenant, là, c'est l'heure de gâter. Thomas. Que celui qui a parlé et qui sait qu'il se fait prendre aussi par derrière, qui se fait enfiler, il se décape la peau. Attendez bientôt pour vous arriver. On va mettre, ça va sortir ce que ça va sortir. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre. Et ce qui me choque, c'est que l'autre aussi vit en France, mais elle était très intelligente. Qui ça? Celle-là, l'ancien journaliste de la PIDE qu'on a chassé au Cameroun. Là. C'est qui elle s'appelle comment? Tu sais que je ne connais pas beaucoup. Le... pas les contacts, je ne connais pas beaucoup de noms sur Facebook des gens. Mandjan Sang qui parle. C'est vrai que les visages que je connais, là. Je ne connais pas beaucoup. Les... Ah, Non, moi je vais quand même lui dire. Je vais quand même lui dire. Non, attends. Non, moi je dois lui dire. Si moi je ne parle pas, j'y prends Remingono. Moi, Lionel, si je ne parle pas de toi, c'est par respect pour une seule personne. Et il faut que tu le saches. Ça, c'est Adèle. Non, moi je ne vais pas me mêler. Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est pas parce que tu es mon enfant que je dois. On est en Europe, je ne peux pas. On ne peut pas voir nos grandes sœurs qui sont en soutien. Mais moi, nous mettre les bâtons dans mais moi je vais dire une chose, c'est pour ça que je prononce ton nom. Chipo Remingono. C'est pour une seule et unique raison que moi je ne prononce. Parce que j'ai vu tout ce que tu as publié. Je ne vais jamais sur ta page, je ne te suis pas. Parce que moi je suis une personne, je suis apolitique. Je suis apolitique. Et comme tout le temps tu parles de la politique, en fait, tes directs ne m'intéressent pas. Je vois souvent passer. Je ne mets même pas un j'aime parce que moi je suis apolitique. Exactement. Mais je voudrais te dire une chose. Ma chère tante, si je ne te prononce, si je ne parle pas de toi, si je ne te prononce pas, c'est par respect pour une seule personne. Lady. C'est à cause de Lady. C'est grâce à Lady que moi je ne te clash pas. C'est grâce à Lady. Parce que la place que Lady pense a dans mon cœur. Je n'ai pas droit à l'erreur. La place que j'ai dans le cœur de Lady et la place qu'elle a dans mon cœur, moi, Leonardo DiCaprio, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est grâce à Lady que mes sœurs ont clashé. Parce que, n'oublie pas une chose, mon père ou ma tante, on a tous joué la Champions League. Attention! Parce que les PD, vous êtes. On a tous joué à la Champions League avant de venir en Europe. Vous avez fait vos choses de politique là. Et quand je parle de la Champions League handball, tu comprends de quoi je parle. Tu comprends de quoi je parle. On a tous joué au handball avant de venir en Europe. Mm-hmm. Oui. Mais moi, je ne vais pas. C'est-à-dire, je vais faire comme si tu n'existais pas. Grâce à ma grande sœur, parce que je n'ai pas droit à l'erreur. Grâce à ma grande sœur, je n'ai pas droit à l'erreur. Attention, les photos vont sortir. Nous tous on fait la Gay Pride à Paris. Attention, les photos vont sortir. Comme tu t'es permis. Je ne sais pas ce que tu voulais dire. Tu as mis arrêt sur image. Tu as pris les vidéos, tu as mis. Tu sais que la politique, tu parles. Les histoires des fesses, tu parles. Ça prouve que les gens avec qui tu t'es chamaillé pour les histoires de politique te disaient, c'est vrai. Nous, on savait déjà ça depuis, mais maintenant, on va venir donner les confirmations. Attendez, on va jouer un sale boulot maintenant. Moi, je dis et je réitère, je confirme. J'ai joué au handball propre et bien le au Cameroun avant de venir en Europe. Mon ventre est plein. Moi, je m'en fous, même le chien de mon quartier. Mon ventre est plein, mais ça ne m'intéresse pas de parler. Vous pouvez aller dire à qui vous voulez. Vous m'avez suivi quoi? Même le chien de mon quartier sait ce que je fais. Je n'ai de compte à rendre à personne. C'est vous qui parlez de ça parce que vos bouches sont ouvertes.
Moi, je n'ai de compte à rendre à personne. Je peux même décider qu'elle ne met plus mes pieds un jour au Cameroun. Depuis 7 ans, je n'ai pas mis mes pieds là-bas. Je ne vois pas encore. Et d'abord, même le Cameroun n'a même pas d'abord que ça à faire. Parce que vous êtes que quand vous finissez de manger les beignets haricots avec la bouillie de 250, vous pensez que le Cameroun vous connaît. Le Cameroun me connaît plus parce que le Cameroun me connaît plus que vous. Parce que quand on tape les trucs de West, moi, je suis connu jusqu'à la présidence. Je suis un citoyen producteur. Malgré que je vis en exil en Europe. Je suis un citoyen producteur. Je fais entrer de l'argent au Cameroun. Je fais entrer de l'argent. Moi, je paye les impôts au Cameroun. J'ai une patente et une carte de contribuable et un registre de commerce au Cameroun. Parce que vous vous asseyez, vous parlez des gens. J'ai une patente, une carte de contribuable au Cameroun. Oui. Donc, les enfants qui mettent la connexion de 1000 francs là, qui pensent, vous pensez que vos petits injures de PD, j'avais 3 ans, on m'insultait déjà PD, je ne connaissais même pas encore c'est quoi la chose. Imaginez-vous, depuis combien d'années je suis ça, le disque là est rayé, je ne discute pas avec vous, je n'ai même pas envie de lever le ton avec vous parce que je suis fatigué, j'étais au mariage de la gloire glorieuse. Et vous, les PD qu'on a, on ne vous a pas invité, vous êtes aigris. Notre grande sœur, je crois que c'est l'aigreur. On ne pouvait pas inviter tout le monde. On ne pouvait pas inviter tout le monde, c'est quoi? On était d'abord trop nombreux. Le mendiant de ça, le mouvement de ça, c'est ça qui vous fait mal au cœur. Parce que je connais les commentaires de mes sœurs PD. Je connais les commentaires des PD. Quand je vois un commentaire, même si c'est en faux profil, je sais que c'est un PD aigri qu'on n'a pas invité. Vous allez passer le temps à faire le sale boulot jusque quand vous allez faire ça. Vous travaillez sans salaire. Vous travaillez sans salaire. Essayez de chercher du boulot avec un salaire. On nous combat là. Les gens qui disent qu'on fait un truc anormal nous combattent. Vous encore, vous avez les anus ouverts comme les autoroutes, comme les axes lourds aussi comme nous. Vous venez encore vous asseoir sur Facebook. En quoi vous vous référencez pour venir vous asseoir sur Facebook? Mes chéris, on va tous vous démasquer. Et chaque fois que quelqu'un sera démasqué, il va passer à la consonance verbale. Celui qui est trop fâché, il me voit quelque part, il m'arrête. Mais je vais vous rappeler un truc. La personne qui va faire l'erreur de frôler ma peau, il ne va pas déménager de sa ville, il va déménager de l'Europe. De l'Europe. Il ne va pas déménager, il va déménager de l'Europe. Parce que je ne rigole et pas. Et encore, en déménageant même de l'Europe, il faudrait qu'il soit sûr que là où il va partir sera en sécu. Ah oui. en déménageant de l'Europe, il faudrait qu'il se rassure que là où il va partir, il sera en sécu. Ah, oui. Il faudrait que la personne sache qu'en déménageant de l'Europe, il faudrait qu'il soit sûr et convaincu que là où il va, il sera en sécu. Moi, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas tout qu'on met sur Facebook. Ce n'est pas tout qu'on dit sur Facebook. Mais je peux vous prouver par A plus B que étant en Europe, je paye les impôts au Cameroun. J'ai une société au Cameroun. J'ai une carte de contribuable. J'ai une patente que je paye les impôts au Cameroun depuis 10 ans. Ça fait 8 ans que je suis en Europe. Et depuis 10 ans, j'ai une société au Cameroun. J'ai un registre de commerce. J'ai une patente, j'ai une carte de contribuable. À côté de ça, ça fait 5 ans que je m'occupe de 5 enfants orphelins et 2 mamans veuves. Parce que j'ai connu la souffrance d'un orphelin. Moi, mon père vit encore. Mon père vit, et ce n'est pas un papa de la honte. Mon père est docteur ophtalmologue. 40 ans de service à l'hôpital central, au jour d'aujourd'hui à la retraite. Mais le mari de ma mère, le feu mari de ma mère, perd son âme, est décédé, ça fait 21 ans. Et je connais la souffrance d'une veuve. Je connais la souffrance des orphelins. J'ai poussé la brouette à l'âge de 11 ans, jusqu'à mes 15 ans, pour nourrir ma famille. Ce n'est pas aujourd'hui que je nourris ma famille. Ce n'est pas aujourd'hui que je subviens aux besoins de ma famille. Alors je sais qui je vois et je sais qui je suis. Vos petits préjugés et vos petits coups bas, 2 balles, me laissent à 37. Je vous dis, que quand vous ne m'insultez pas, je dors mal. Quand vous ne m'insultez pas, je ne suis pas excité. Ce n'est pas bon. J'adore ça. J'ai préparé le mariage de la gloire glorieuse dont je viens de Mulhouse là depuis un mois. Entre aller acheter le pain à Anvers, aller voir ma tailleur à Namur, aller chercher les compensés à ma pointure en Allemagne. Et s'il te plaît, ce n'est pas toi en préparant. Aller chercher mes larges bords à Paris. J'ai préparé ce mariage et j'ai réussi ce que je voulais faire. Hora. Oui. Les résultats, ils parlent aujourd'hui. J'ai réussi ce que je voulais faire, la preuve. Vous êtes en train de buzzer. Vous êtes en train de buzzer. Les gens là, ils ne travaillent pas. Vous êtes en train de buzzer.
J'ai voulu le buzz et vous êtes en train de faire le buzz. Je vous ai eu. Regardez, vous êtes 700 connectés. C'est comme ça, Paul. Vous êtes 700 connectés. Je vous ai eu. Oh, ah. Et ne vous inquiétez pas. J'ai encore deux mariages religieux, deux mariages homosexuels dans les deux prochains mois. Un en Allemagne, l'autre à Chypre. Vous allez m'entendre. Comme je me suis, comme je me suis rendu compte là que ça vous fait mal, maman. Je repars à Paris jeudi pour chercher les deux robes que je vais mettre aux deux autres mariages. Et vous allez me suivre. Hoa! Miatam, ceci. Miessie, Bamba. Il y a un gars qui a commenté que refusez toujours les hommes. Nous, on veut épouser les garçons. Ah. Ils vont nous épouser. Hoa! Ils vont nous épouser par force. Vous allez vous goûter. Ma chérie. Flore de l'île vend les gouttes. Ma chérie, moi, je suis même fier de l'image que je reflète. Tu comprends? Il y a une fille camerounaise qui m'avait dit que ma chérie. Elle m'avait dit que mon frère. Moi, j'ai trop peur de toi. Hein. Quand je te vois placé à côté de mon homme, je tremble sale. Ah, elle me l'avait dit. Ah, tu comprends? Que quand, c'est-à-dire quand je dis bonjour à son homme, elle tremble sale. Et les vraies filles viennent me dire ça. Une fille qui est infirmière, qui gagne son argent, qui a sa vie, vient me dire ça. Chopin qui s'est prostitué en Suisse pour construire un petit immeuble à moins de 100 millions de francs CFA, vient me raconter les histoires qu'elle raconte. Pendant combien d'années? Chopin, moi, j'ai donné un coup de pied aux fesses à un homme. Pour revenir dans ma vie, il m'a acheté une maison. Tu as compris? Il m'a acheté une maison avec deux garages. Parce que pendant l'été, pendant l'hiver, je roule en 4x4 et en été, je roule en cabriolet. Donc, il a tenu à ce que tout cela soit structuré et respecté. Parce que comme ça, je ne fais pas 3 ans avec une voiture. Quand la troisième année approche déjà, je réfléchis déjà pour la prochaine. Masayo, parce que attention. Faut pas que tu penses que tout ça est facile. Je me lève le matin, je m'avais balayé les routes, je m'avais lavé les petits vieux, je m'avais accompagné les petits vieilles à faire leurs courses, à les amener à l'hôpital. Ça, c'était même avant. Au jour d'aujourd'hui, même le Seigneur m'a béni, je suis assistant de cabinet d'avocat. Hein? Vous qui êtes allé trop à l'école là, vous qui avez tous ces diplômes là, pourquoi le Seigneur ne vous donne pas le travail? Vous qui êtes des saints, vous qui faites la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu ne vous donne pas tout ce qu'il me donne? Ou alors vous allez me dire que c'est le Satan, qui me donne. Avec la pension que tu manges, là, épouse le petit gars qui te lave le corps là, non. Le mariage ne coûte même pas. Dès que je veux le travail, Dieu me donne le travail. Dès que je veux changer de voiture, Dieu permet que je change de voiture. Vous allez me dire que ce n'est pas Dieu, c'est qui? C'est Satan d'abomination, c'est ça, hein? Aïe, Bella. Jusqu'à elle me dit que tu répètes que Nazambe. Tes clients t'ont baisé en Suisse. Ta chatte avait déjà lâché, on te couille pas derrière, on va t'appeler comme un pédale. Parce que toi aussi, tu t'apportes de derrière et ouverte. Et anus, il n'y a pas anus au féminin ou au masculin. Il n'y a pas anus au féminin ou au masculin. Anus égale anus. Anus égale anus. Tu as voulu qu'on soit vulgaire, on est vulgaire. Tu as demandé la vulgarité, on te le sait dans un plan. Ah non. Oui. Toi, quand on couille derrière, là, on t'appelle comment? On t'appelle aussi pédale. Comme bon, on dit pédale. Je vais encore te prendre un exemple pour te montrer encore que toi et moi, on ne peut jamais être des copines. Je pars. Tu t'es gâté avec ton gars qui se décape là. Il est venu s'asseoir sur Facebook. Un homme. Un vrai homme, quand une femme le largue, comme tu dis que c'est toi qui l'as largué, il prend ses distances, il part. Mais il est venu s'asseoir sur Facebook pour raconter ta saleté de vie. C'était notre soeur. Nous, on savait que ça. Il est venu s'asseoir sur Facebook pour raconter ta saleté de vie. Les voices nous ont trouvés. Les voices. Un homme envoie les voices. Un homme se querelle comme une femme. Je sais pas, j'ai des ex. Hein. Je sais pas. J'ai des ex et des ex camerounais et camerounaises parce que moi je prends tout et c'est ce qui fait encore ma force. Une femme comme toi, si elle rentre dans mes critères, je la prends, je fais ce que j'ai à faire avec ah elle. Non, non, elle est trop sale. Un homme, s'il rentre dans mes critères, je prends, je fais ce que je fais avec, je prends ce que j'ai envie avec. Oui,
Moi, l'avantage que j'ai et la chance que j'ai, c'est que je prends tout. La femme, je prends, l'homme, je prends. Toi, tu es même focalisé dans un... Tu as dit, tu es coincé dans un coin. Moi, ah, je suis passe-partout. Mais ne passe-partout, ma boya. Ah, j'ai des ex, que ce soit les hommes ou les femmes, j'ai des ex. Tu as déjà entendu un jour que mon ex est venu s'asseoir sur Facebook. Les voices à gauche, les voices à droite. Comme tu veux que je cite? Franchement, on est ce job. On est ce. Pardon, on a même déjà accordé tout d'importance. On est ce. En gros, moi, je ne sais pas. On en a rien à foutre. Pour conclure, on n'en a rien à foutre de ta gueule. Ce ne sont que des homos qui vont te baiser. Tu es condamné à baiser avec les homos sexuels. Parce qu'un vrai homme ne peut pas. Un vrai homme ne peut pas. Il n'y a que des faux homosexuels et des gigolos. Et des gigolos qui vont te baiser. Oui. Un vrai homme qui a les couilles ne peut pas te stopper en route. Oui. Si tu veux, je te mets à défi. Avec ton sombre visage comme la peinture de ta maison que tu dis que tu as construit, là, tu es même timide. Donc, du coup, on t'a assez accordé du temps. C'est un réel plaisir de finir avec toi. Il me reste 20 minutes de route. Et je voudrais te rappeler que je roule dans un 4x4 appelé Cristal Hyundai Tucson, modèle 2017. Que j'ai d'ailleurs cliné pour changer. Et je le change dans 2 semaines. Je t'enverrai inbox parce que tu ne m'as pas bloqué et je ne te bloque pas. Je t'enverrai inbox la vidéo de ma nouvelle voiture. Je t'enverrai inbox. Comme ça, tu comprendras que bien, Obidji, que bon, Valéda. Wow, ouk. Nada, koukouna, bien que boye, bamba, ovo, que tebo, vo, ma tebo. Parce que ma boke, bamba, bas étage, ma boke, bamba, ma langue. Déjà, ma boke, bamba. Bata, ma Facebook, mon sosé, dans ma boye, bamba. Parce qu'apparemment, c'est l'image que je reflète. Mais ma boke, bamba, ma saï, avec mon cerveau. Wow, un saillant en l'eau. Bien le. Ciao. Va encore vociférer tout ce que tu veux, mais je ne te répondrai plus parce que j'étais assez accordé beaucoup d'importance.